Bonjour, Alexia Philippe Ardefoy, responsable du centre de formation Ressources and Development. Notre centre est basé à Jarry et nous avons également des locaux au Rézé, aux Abîmes. Nous, on propose de la formation courte, des bilans de compétences, de la VAE, donc valorisation des acquis de l'expérience, et nous sommes également CFA, donc nous accompagnons des jeunes et des moins jeunes dans leur projet d'alternance ou leur contrat de professionnalisation. Donc nous, notre spécialité, ce sont les compétences transversales, les soft skills, comme on les appelle, et notamment le management et tout ce qui touche à la vente, au commercial et aux ressources humaines. Pour les jeunes, parce qu'on est quand même là pour ça, pour l'insertion, à la rentrée, donc vers septembre-octobre, on va proposer 3 programmes. Un programme pour devenir employé polyvalent de restauration, où on va mélanger immersion sur le terrain et également cours théoriques, mais aussi toutes les compétences transversales dont je vous ai parlé, donc le travail en équipe, la gestion du stress, l'attitude professionnelle, communiquer en français, etc. Et on va proposer le même format sur la vente dans différents secteurs et la vente haut de gamme, donc vraiment pour des magasins premium, des magasins de luxe. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ces filières ? Ben, tout simplement parce que les entreprises nous ont dit qu'ils avaient besoin de recruter. Et donc nous, on a envie de former la jeunesse pour que recruteurs et apprenants soient satisfaits. Nous sommes un centre de formation académique, un centre de formation par apprentissage. Donc nous disposons des formations par apprentissage pour un public post-bac, mais également pré-bac. Et nous avons un panel de formation qui est très large parce que nous travaillons avec des établissements scolaires de Guadeloupe. Et nous avons également au sein de notre centre de formation des formations qui sont dispensées uniquement chez nous, hein, comme par exemple DUST, préparateur technicien en pharmacie, en partenariat avec l'Université de Bordeaux. C'est l'une de nos formations phares. Également le BTS opticien lunetier et le BTS banque. Ce sont nos 3 formations phares. À part cela, nous travaillons également avec des établissements scolaires. Alors les formations que nous dispensons dans les établissements scolaires, ce sont des formations en ce qu'on appelle en mixité. En fait, c'est un public qui est déjà intégré dans des classes, dans une formation initiale et qui peuvent éventuellement intégrer des formations par apprentissage. Donc, il suffit qu'ils aient une entreprise et à partir de là, ils peuvent intégrer la formation en apprentissage, soit dès la première année ou en cours de formation. Donc, c'est de la mixité que nous effectuons, que nous proposons à ces apprentis ou futurs apprentis et qui leur permet d'avoir une solution d'insertion rapide parce que je vous rappelle que l'apprentissage, quand même, c'est une modalité de formation qui permet une insertion assez intéressante. Nous avons des taux d'insertion, notamment un taux d'insertion moyen dans le centre de formation qui est à 88%. Donc c'est quand même des formations intéressantes en termes d'insertion. Je dirige l'Institut de formation qui est aussi une école de travail social, située à Basse-Terre avec des antennes en Grande-Terre. Il y a 2 antennes et nous développons tous les diplômes d'État du travail social du niveau 4 au Café Ruiz. Voilà, avec la branche accompagnement et la branche éducation. Voilà, donc des parcours intéressants, riches et qui surtout répondent aux besoins du territoire puisque c'est ça le plus important. En dehors de cela, nous avons aussi les agréments pour développer l'hygiène alimentaire HACCP et bien entendu toute la cohorte de préparation de concours pour tous les diplômes d'État, les diplômes spécifiques sanitaires, sociaux. Voilà, donc aussi nous faisons un peu de développement personnel. Donc tout un tas de formations répondant, comme je le dis, aux besoins du territoire. Donc nous sommes situés, notre siège social à Basse-Terre, au 6 rue des Corsaires, dans le prolongement de la mairie. Et sur Pointe-à-Pitre, nous avons 2 lieux, le collège Front de Mer et aussi la GIPSA, qui se trouve à lotissement du Gazon. Voilà. Nous sommes joignables au 06 90 53 99 68 ou alors au 0590 99 51 66. Et nous restons à votre disposition avec mon équipe pour vous donner toute information complémentaire et vous aider aussi dans votre orientation, puisque l'orientation est essentielle. Toute formation se raccroche à un profil
Et il faut être heureux lorsque l'on rentre dans une formation, parce que la formation, c'est l'avenir qui se construit au fil du temps. Voilà.